proche d'hier. When you try your best but you don't succeed. Oh. J'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, sur notre chaîne YouTube, on est rendu à peu près 1000 et plus abonnés. Sérieux, je te botte un petit peu, assez pas mal beaucoup. Genre, il va y avoir des petites confettis, des pipi. Bref, vous avez compris, les petites affaires de confettis, là, tu sais, quand le monde, il nomme des trucs bien heureux, pis que c'est bien la joie, pis que il y a tout le temps des petits confettis où des mondes sont genre, yeah, au fond d'écran, mais finalement, ben moi, j'ai pas ça, là, j'ai plus ça. Étant donné qu'on est vraiment rendu à 1000 abonnés, puis pour vrai, je suis vraiment contente, je capote un petit peu, c'est pas mal beaucoup, c'est un petit peu trop capoté. Écoute, la fille à capote, hein? Ben gros. Bref, j'ai même plus de mots, en vrai, je sais plus parler pas à tout. Ouh, je sais pas comment vous remercier, sérieux. Genre, merci infiniment, genre, inconditionnellement, ok? Vos doses d'amour, vos commentaires que vous m'écrivez à chacune de mes vidéos, pour vrai, je capote. En fond, moi, je suis juste une petite fille qui s'installe devant sa caméra, puis qui fait juste sa passion, qui est de divertir, de faire rire les gens. Puis ben ça a l'air que beaucoup de monde qui aime ça, fait que je suis comme waouh, je capote. C'est vraiment fou, ok, merci tellement. Je suis trop contente, j'ai pas de mots, ok, vous allez apprendre ça. Quand je suis trop contente, j'ai pas de mots, ok, je parle pas puis je sais pas quoi dire, on dirait qu'il y a rien qui sort de ma bouche. On dirait que mon vocabulaire c'est juste effacé puis bye bye, ciao bye vocabulaire pendant que t'es trop heureuse, ok. Fait que je répète tout le temps les mêmes affaires, ok, fait que je suis vraiment désolée. Donc c'est bien simple, aujourd'hui je vais faire une FAQ, dans le fond je vais répondre aux questions que vous voulez savoir à propos de moi ou à propos de ma vie ou je sais pas, ok, des questions que vous voulez savoir à propos de moi. Ah, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça puis de ma petite bête ici à l'eau présente. Activez la cloche de notification puis ça dans le fond vous allez jamais manquer aucune de mes vidéos, ça va vous dire Sarah tout simplement hop, publier une nouvelle vidéo, tout simplement. Le jeu de mots était présent aujourd'hui, Sarah-Maude. À faire un thumbs up et venez me dire dans les commentaires des vérités ou des conséquences que vous aimeriez que je fasse pour une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine, peut-être l'autre, on sait pas trop. Mais dites-moi des vérités ou des conséquences dans les commentaires. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Bon. I got my ordinateur que je vais mettre. Donc, la première question, c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Voici la question. Salut Sarah-Maude, moi ma question c'est avec quelle caméra tu filmes? Lâche pas, t'es la meilleure. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part. La caméra avec laquelle que je filme, c'est mon iPhone une fois de temps en temps quand je peux pas traîner ma grosse caméra puis quand c'est malaisant de traîner ça parce que elle est quand même assez grosse, fait que mettons que tu te fais remarquer, je dis ça un petit peu comme ça. Puis ben, ma caméra avec quoi je filme le plus souvent, c'est ma Canon EOS Rebel T5i. C'est un nom assez long, moi vous dire, mais je pense que la deuxième question, c'est elle qui a été le plus demandée. Ok, c'est vraiment, ok, je me l'ai fait demander à peu près 4-5 milliards de fois. Puis c'est, pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne YouTube? Ok, chaque cette question-là, ça va être long à répondre parce que c'est ça, hein, la vie de Sarah-Maude est compliquée. Puis Sarah-Maude, ben elle rend une question trop simple, un peu trop compliquée à répondre. Fait que je vais essayer d'être simple. Ok, depuis que je suis toute jeune, je me filme tout le temps, ok? J'ai toujours une caméra avec moi sous les mains depuis ma plus tendre enfance. Même si là, ok, j'ai l'air d'une vieille croutonne quand je dis ça, mais pas tant que ça. J'ai tout le temps un réflexe de faire des vidéos niaiseux de moi, puis de tout le temps faire de quoi de fuck all, ok? Puis ben, depuis que je suis toute jeune, j'ai eu fait les Cheetah Girls, j'ai fait Riré Délire, j'ai fait les Esplanadeurs que vous avez vus. Ben, si vous l'avez pas vu, ben je vais mettre le petit i juste ici. Puis ben, comme en 5e année du primaire, j'ai fait oh my god, je veux me partir une chaîne YouTube, ok? Mauvaise idée. Parce que je venais de déménager dans une nouvelle ville, que la ville que je suis en ce moment. Et ben c'est ça, hein, le monde en rit un petit peu, assez pas mal beaucoup de moi. Non c'est pas vrai, c'est en 6e année. En 6e année, je m'étais partie une chaîne YouTube, ok? L'histoire elle commence à être compliquée pas mal là. Et en 6e année, j'ai parti cette chaîne YouTube là, je l'ai arrêtée. Ça a arrêté comme ça, fait que dans le fond, depuis ma 5e année jusqu'à mon secondaire 5, j'avais en tête d'un jour faire une chaîne YouTube, ok? Dans ma tête, c'était comme Sarah-Maude va faire une chaîne YouTube un jour, mais j'en parlais à personne, ok? Il y a personne qui savait ça. Fait que j'étais arrivée au cégep, puis bing bing, je me suis partie une chaîne YouTube. Fait que je vous ai raconté toute l'histoire de pourquoi je me suis. Ben, c'est pas vraiment le pourquoi. Je vous ai raconté. Oh my god, je suis tellement pas claire dans mes histoires. Mais je vous ai raconté comme l'histoire de quand je me suis partie de ma chaîne YouTube, mais pourquoi? Ben en fait, Le pourquoi, c'est parce que dans le fond, dans la vie, je suis quelqu'un qui veut devenir animatrice de radio, de télé, peut-être humoriste, peut-être comédienne, bref, je vais tout faire ça un jour dans la vie, tu sais, tout un métier, de même, bibing, toutes les mixer ensemble. Puis ben YouTube, ça me permet vraiment de faire ça, d'exprimer ma passion, d'exprimer le fait que j'aime ça faire rire le monde. Fait que c'est pas mal pour ça que je me suis créé une chaîne YouTube. C'est une question de Naomi Doutre, Doutre, D-O-U-T-R-E, Doutre. Si je dis vraiment mal ton nom de famille, je suis vraiment désolée Naomi, excuse-moi. Bref, voici la question. Super vidéo, merci beaucoup, c'est super gentil, j'ai adoré, merci. Quelle est ta destination de rêve? Mon Dieu! Ma destination de rêve, je dirais que c'est soit la Grèce, parce que je trouve ça vraiment beau, avec l'eau bleue, avec les bâtiments blancs, les toits bleus, c'est vraiment beau. La Grèce. One Piece Girl. Sinon, mon Dieu Seigneur Marc-Joseph. Pour vrai, on dirait que je pense pas à voyager parce que je suis pas une très grande voyageuse de la vie. Puis sinon, oh oui, j'aimerais ça aller en Australie, genre vraiment beaucoup. Voir des kangourous. Ok, c'est vraiment un préjugé là, mais bon, voici toutes mes destinations de rêve. Donc, voici la question de Hakimi Gaming. Je sais pas si je l'ai dit comme faut, mais je suis vraiment désolée si je le dis mal. Donc, sa question c'est si j'ai un animal de compagnie, félicitations pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Puis oui, j'ai un animal de compagnie. Elle est juste là en plus, c'est très rare qu'elle se couche sur mon lit quand je filme une vidéo, c'est très rare. Donc, voici. Nella, fais donc un coucou à la caméra, là, s'il te plaît, sois sociable. Voici mon chien, elle s'appelle Nella, elle a 6 ans. Donc, bah c'est ça, là, mon chien est antisocial dans la vie. Nella. Et c'est un mélange de Yorkshire, Westie, puis Schnauzer. Fait qu'elle est Nena. La prochaine question nous vient de Aurélie Lacard, puis elle me demande ça fait combien de temps que tu danses du hip-hop et tu es dans quel troupe? Donc, ça fait depuis que j'ai 3 ans que je fais de la danse hip-hop. Et en ce moment, je peux pas dire dans quel troupe je suis parce que dans le fond, ben c'est l'été. Fait qu'on n'a pas encore passé les auditions pour les troupes. Fait qu'en ce moment, je peux pas dire dans quel troupe que je suis parce que j'en ai pas en ce moment. Fait que. Donc, j'ai une question de mon amie Léa et elle me demande c'est pour quand ce haul? Ha. Ben Léa, tu vas être contente parce que le haul il est en ligne depuis 3 semaines. Fait que je vais le mettre là si tu veux. Le petit i là, il va avoir le haul juste là. Fait que j'ai répondu à ta question. Maintenant, il est en ligne ce haul. Donc, la prochaine question est de mon amie Claudine. Salut Claudine, je m'ennuie de toi si tu regardes cette vidéo là. Et elle me demande t'es chaude, marie-moi. Aucun problème, tu me diras où, la date, quand, comment, puis m'a venu ton message. Donc, ici j'ai une question de Marianne Boudreau qui me demande quel métier voudrais-tu faire plus tard? Bon, tantôt je l'ai comme dit indirectement, mais dans le fond, les métiers que j'aimerais faire plus tard, parce que oui, j'aimerais beaucoup faire plusieurs métiers, parce que dans la vie, je suis comme polyvalente. Fait que tout dans la vie m'intéresse. Donc c'est ça, fait que dans le fond, les métiers qui m'intéressent dans la vie, c'est vraiment être comédienne. J'aimerais beaucoup ça être animatrice de télé, de radio, ou sinon humoriste. Sinon, un jour, j'aimerais vraiment ça faire ma propre bande dessinée, parce que oui, dans la vie, je dessine des cartoons quand je m'emmerde. Puis sinon, ben, il y a vraiment plein de projets que j'aimerais ça faire dans la vie. Fait que c'est ça, je suis vraiment trop polyvalente dans la vie. Fait que, bonjour, cher producteur, si vous passez par ici, Sarah-Maude, vous pouvez m'écrire sur Billy, Sarah, @hotmail.com. Je sais, ce Hotmail ne fait pas très professionnel, mais vous m'excuserez, la fille de Sarah-Maude de 8 ans, ben, elle aimait beaucoup son hamster Billy. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je suis pognée avec ce Hotmail-là, je suis vraiment désolée. Donc, la prochaine question nous vient de Cynthia Lorraine qui me demande quel est ton objectif sur YouTube? Dans le fond, mon objectif sur YouTube, c'est vraiment de partager ma passion qui est de faire rire et puis m'amuser en fait à faire. Donc, la question c'est inspiration Instagram de 5K et moins. Dans le fond, mes inspirations d'Instagram en bas de 5000 abonnés et moins. Donc, mes inspirations pour ce qui est de YouTube, c'est Ellie Duquette. J'aime beaucoup Deuxième Peau, pour vrai, je les adore. J'aime beaucoup Laura Gabriel, puis c'est vraiment eux qui m'ont vraiment aidé à partir YouTube en fait. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la FAQ. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, je vais pouvoir y répondre en commentaire. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!